الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم Chers frères, louange à Allah, Rabbul Azza, Jalla Shanu, Rabbul Alamin, qui nous a donné le tawfiq de nous réunir en ce jour béni de Jum'a, dans ce lieu béni qu'est la masjid, pour accomplir une action bénie, qu'est la salat de Jum'a en congrégation. Et pour parler de son dîn, pour parler de l'islam. L'islam, une religion, un mot qui fait parler, qui fait même fantasmer certaines personnes, certains groupes. Et il faut savoir que de tout temps, dans l'histoire, il y a toujours eu des individus à titre personnel, musulmans ou non, des groupes, des mouvements qui ont remis ou remettent en cause volontairement ou involontairement parfois les fondements même de notre religion de l'islam. Ces groupes veulent proposer une alternative au, entre guillemets, traditionalisme, qualifié parfois d'archaïque, de médiéval, que nous connaissons tous au travers de nos quatre écoles juridiques, l'école Hanafite, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, Imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, Imam Malik, rahmatullahi alayhi, Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi. En ce qui concerne le domaine du fiqh, de la jurisprudence, pour proposer une nouvelle vision, voire une nouvelle version Islam 2.0, aujourd'hui elle est mise à jour, Internet, etc., de notre religion. Et comment il procède pour cela ? Par une interprétation superficielle et subjective des textes référents au fondement même de notre religion à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, et la parole de notre bien-aimé Habib Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les ahadith. Quelles sont les motivations de ces courants, de ces gens? On n'est pas là pour juger. Mais parfois, ces motivations sont sincères. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont sincères dans leur niyat, dans leur intention, même si la conclusion est erronée. Et à ce moment-là, ils auront agi par manque de connaissances. Parfois, la connaissance, on n'a pas maîtrisé le sujet. On n'avait pas la connaissance nécessaire. Les alim, parfois nous-mêmes, on nous pose des questions, des maslas. On peut se tromper. Nous sommes tous des êtres humains. On peut faire des erreurs. Donc, parfois c'est involontaire. Mais parfois, il y a la volonté de nuire. Et pourquoi cela ? Pour plusieurs raisons.
pour proposer quelque chose de nouveau. L'être humain est à la recherche du sensationnel. Quand c'est trop plat, c'est trop banal, ce sont les choses qu'on entend tous les jours, ben c'est la routine. Mais quand on arrive, on entend une nouvelle parole, quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Ah, ça les gars, ça vous qu'on ait plein à faire. On arrive avec des choses nouvelles, eh bien, on ne nous a pas dit ça, nous, avant. Pourquoi ça veut dire que pendant toutes ces années, ta façon de pratiquer la religion était mauvaise? On est toujours à la recherche du sensationnel sans chercher à rechercher, donc, sans s'attacher à rechercher la source et le fondement de la chose. Parfois, c'est par complaisance, pour faire plaisir à autrui. Parfois, ça peut être par rapport à un complexe d'infériorité ou quoi que ce soit. Ou pire, ça peut être pour l'honneur. Ça peut être pour l'honneur. Moi, j'ai dit telle chose. Moi, je suis telle personne. Et quelles sont les origines maintenant de ces erreurs-là? Volontaires ou involontaires? C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où la représentativité de l'islam au niveau juridique, et je dis bien, je pèse bien mes mots, au niveau juridique, parce qu'on peut très bien représenter l'islam au niveau administratif, à travers les comités, etc. et tout. D'ailleurs, qu'Allah Ta'ala leur donne jazaï khair pour cela. Mais au niveau juridique, la représentativité de l'islam, la parole n'est pas donnée aux gens du ilm dans toutes les sphères de la société. Les médias accordent du crédit souvent justement au sensationnel. Ou justement là où les ulama, les gens du ilm devraient prendre leurs responsabilités pour aller représenter l'islam, ce n'est pas fait. Du coup, il y a des dérives. Il y a des dérives à ce genre de comportement. Il faut savoir que, comme j'ai dit en préambule, la source de notre dîn, c'est le Coran, la parole d'Allah, qui est inaltérable et qui est immuable. Et les hadiths, les paroles du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Or, lorsqu'on va donner du crédit, de la parole ou de la représentativité à des gens qui ne sont pas des gens du ilm, de la connaissance, pour parler au nom de l'islam, dans le cadre juridique encore une fois, ou encore à des gens qui sont autodidactes, qui ont appris dans des livres, n'ont pas suivi de cursus, et personne ne remet en cause le fait qu'on ne deviendrait pas docteur ou médecin en ouvrant quelques livres. Aujourd'hui, si une personne vous dit que je suis médecin, mais je n'ai pas fait d'études, et que je vais te diagnostiquer, je vais te donner une ordonnance et des médicaments pour ta maladie, on ira voir ce médecin-là. Très peu de gens feront confiance. Et c'est tout à fait normal, cela coule de source. Et cela amène donc à des mauvaises interprétations des textes. Parfois, donc, lorsque on fait appel à la subjectivité, à ce moment-là, on arrive parfois à dire des bêtises, des aberrations, des inepties, volontaires ou non. Le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, le hadith rapporté dans Tirmizi Sharif nous dit que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ittaqul haditha alayya illa ma alimtum. Craignez de rapporter des paroles, de m'attribuer des paroles autres que ce que vous ne connaissez, sous-entendu de ce que j'ai dit. Parce que la personne qui mentira à mon propos volontairement, alors qu'elle prépare sa place en enfer. Ça, c'est pour les hadiths. Et c'est valable pour nous tous.
Je ne m'adresse pas qu'à une catégorie de personnes, je m'adresse à tout le monde, à moi-même en premier. وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ Ça c'était pour les hadiths. Quant au Coran, la personne qui dira des choses à propos du Coran cherchera à interpréter le Coran avec sa propre opinion, alors que cette personne également prépare sa place dans le feu. Alors ici, les muhaddisins nous disent que la personne, comment il faut interpréter cela? Que l'imam Qurtubi, rahmatullahi alayh, il écrit dans son Muqaddima, dans l'introduction de son tafsir, Al-Jami'u li-Ahkam al-Qur'an, qui est très volumineux, imam Qurtubi, un grand savant. Il nous dit que la personne qui va dire sciemment un mensonge dans l'interprétation du Coran, donc elle sait que ce n'est pas la vérité, c'est ce type de personne, cette personne-là, qui s'expose ici à l'avertissement du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans un autre hadith, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, hadith rapporté par Jundub, radiyallahu ta'ala anhu, et dans le livre de Abu Dawud Sharif, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, man qala fil Qur'an bi ra'yihi, fa'aswaba. Et ça, c'est quelque chose qui laisse à méditer. La personne qui va interpréter le Coran avec sa propre opinion, son opinion personnelle, et que son opinion coïncide avec la réalité, c'est-à-dire avec le sens réel du verset. Fakod Artoa. Cette personne-là fait une erreur. Son opinion coïncide avec le sens du Coran. Mais pourtant, cette personne-là a fait une erreur. Pourquoi elle a fait une erreur? Les muhaddisins nous disent, parce que cette personne-là, elle a interprété ça, et elle est tombée sur la bonne réponse par chance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On fait des cercles, souvent. Eh bien, qu'est-ce qu'on pense de tel verset? Qu'est-ce qu'il veut dire, ça? Ou bien, qu'est-ce que le prophète sallam, moi, il pense que moi, je pense que le prophète sallam a voulu dire ça à travers ce hadith. Non, mes frères. Non. Il y a des gens qualifiés pour ça. Les gens qualifiés pour ça, ce ne sont pas les ulama d'aujourd'hui. Ce sont les mutaqaddimine, nos prédécesseurs, qui, eux, ont fait un travail de titan. Un travail extraordinaire, colossal, pour justement classer, clarifier, et puis regarder ce qui était bon, voir et éviter les mauvaises interprétations dans les tafsirs, dans le domaine de l'exégèse, également dans le commentaire des ahadiths parmi les muhaddisines, et ce sont également nos fuqaha, nos juristes. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut délaisser le traditionnalisme, les écoles. Comment délaisser ces gens-là? Le maqam de ces gens-là, le statut de ces gens-là, leur position et leur kabouliya, leur acceptation aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose d'unique. Aujourd'hui, si quelqu'un veut mettre sa propre interprétation de la religion, eh bien, on arrive à des aberrations. On arrive parfois à remettre en cause les fondements même de l'islam. Et on entend, personne ne va... Est-ce qu'une personne, si une personne vient nous dire que il y a 6 namaz faraz par jour. On va le croire? Personne ne va le croire. Quand une autre, si une personne va vous dire que eh ben, c'est autorisé de manger haram, personne ne va la croire, cette personne. Qui va croire à ça? Un enfant même ne croira pas. Allah Ta'ala dit clairement dans le Coran, « Hurimat alaykumul mayta waddamu walahmul khinzir ila akhirihi wa ba'uhilla li ghayrillahi bih. » Il vous a été rendu haram la consommation de la viande sur laquelle le nom d'Allah n'a pas été prononcé lorsque on l'a égorgé. Il y a des choses, les fondements de notre religion ne peuvent pas être atteints. Ce n'est pas possible de remettre en cause cela. Que ce soit fait volontairement, involontairement, Allah subhanahu wa ta'ala même, il connaît le niyat, l'intention
de chacun. De plus, on cherchera également parmi des dérives qu'on peut constater. Et aujourd'hui, c'est qu'on utilise des exceptions. Les exceptions pour en faire des règles. Or, par définition, une exception, ce n'est pas une règle. Vous avez la règle, vous avez le commandement, l'opinion dans laquelle abonde la majorité, et parfois, on se dit que par rapport au contexte, par rapport à telle ou telle chose, on essaye de s'adapter. Et on va aller apporter des opinions qui sont très éloignées, très vagues et qui vont à l'encontre du consensus. Et ça aussi, mes frères, c'est ici source de déviance. On a demandé à un groupe de ulama qui sont allés voir Cheikh Awama, hafizahullahu ta'ala, qui est l'élève de Abu al-Fattah Abu al-Rudda, rahmatullahi alayh. Ils sont allés prendre des conseils avec lui, un illustre savant. Il dit que parmi les dizaines et dizaines d'années d'expérience que j'ai, j'aurais pu vous donner, vous expliquer quelques maslahs contemporains qui vous auraient été bénéfiques. Mais parmi, au lieu de cela, je vais vous parler de mon expérience. Parmi le temps que j'ai passé sur cette terre-là, sous-entendu, ces dizaines et dizaines d'années, je crois qu'elle avait dit 60 ans. Et mais j'ai retenu deux choses. Il y a deux choses pour lesquelles, à propos desquelles j'ai beaucoup de crainte pour vous. La première, c'est la disparition du ikhlas, de la sincérité. Si vous regardez toute la trame du bayan d'aujourd'hui, une des grandes causes des déviances actuelles, c'est que les gens ne sont plus sincères. On est plus sincère dans nos actions. Et c'est le premier hadith de l'imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, « Innamal a'malu bin niyyat » Les actions ne valent que par les intentions avec lesquelles elles sont accomplies. Notre ikhlas n'est plus là. Se remettre toujours en cause, est-ce que je suis sincère, tout ce que je fais, c'est pour Allah? Ou bien est-ce que c'est pour moi-même, pour mon ego? Ou bien est-ce que c'est pour montrer à autrui? À ce moment-là, c'est vain. Et la deuxième chose pour laquelle il dit que je crains, j'ai beaucoup de crainte pour vous, c'est le irtilaf, les divergences. Pas les divergences dans, on va dire, dans les maslahs secondaires, non, des divergences dans les fondements de la religion. Si vous commencez à diverger entre vous dans les fondements même de l'islam, du dîn, alors c'est ce qui va causer notre perte et c'est ce qu'on est en train de faire malheureusement. Qu'est-ce que le Coran nous dit ? وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Cramponnez-vous fermement au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez point. Imam Tirmizi rahmatullahi alayhi, en conclusion de son livre Shama'il Tirmizi, il apporte deux asar, deux paroles de tabi'in et de tabi'i tabi'in. La dernière de ces paroles, c'est celle qui est attribuée à Ibn Sirin, rahmatullahi alayh, qui dit à propos du hadith, « Hada al-hadithu dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum » Le hadith, la parole du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion. Faites attention, voyez donc de qui vous prenez votre religion. Voyez donc avec qui vous allez apprendre l'islam. Apprenez toujours l'islam, référez-vous aux gens qui sont compétents, qui ont fait les études pour, qui ont une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre dîn. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre religion du tahrif, de l'altération, des falsifications. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège des divergences, des irtilaf. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala unisse nos cœurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ceux qui, volontairement ou involontairement, commettent des erreurs à travers le dîn.
آمين يا رب العالمين وما توفيقي إلا بالله.